Qu'est devenu le Nautilus? A-t-il résisté aux étreintes du Maelstrom? Le capitaine Nemo est-il toujours en vie? Poursuit-il sous l'océan ses effrayantes représailles? Les flots apporteront-ils un jour ce manuscrit qui renferme toute l'histoire de sa vie? Saurai-je enfin le nom de cet homme? Presque tout ce qui est réalisé aujourd'hui sous les mers, grâce à la technologie sous-marine, a été imaginé par Jules Verne. Alors pour moi, ce livre est comme un guide pour l'avenir. Et quand le capitaine Nemo parle des villes sous-marines du futur, je m'identifie beaucoup à lui parce que je pense aussi au plus profond de moi qu'un jour nous verrons des villes sous les mers. Sur la côte ouest du Canada, dans la province de Colombie-Britannique, il existe un homme qui ne s'est jamais remis de ses lectures d'enfance. René Théophile Nuiten perpétue à sa manière les aventures incroyables du commandant du Nautilus, le capitaine Nemo. Des gratte-ciels plantés sur l'océan Pacifique, c'est ici à Vancouver, à deux pas des chantiers navals de la ville, que Phil Nuiten a pris le commandement d'une entreprise hors du commun. Il y a plus de 40 ans, le jeune plongeur s'est fait une promesse. Il voulait à tout prix déceler les énigmes d'un monde sous-marin inconnu. L'homme a dédié toute sa vie et surtout son métier à la découverte des profondeurs abyssales. Le corps est un modèle technique vieux de plusieurs millénaires. Il est très ancien, très primitif. Et c'est pour cela que la technique est comme une armure qui nous autorise à aller où l'on ne pourrait jamais aller avec notre enveloppe corporelle ringarde. Alors mon boulot, c'est de fabriquer des machines, des engins, pour aller au fond de tous les océans. Peu à peu et à quelques détails près, Phil Nuiten s'est construit un monde identique à celui de son héros vernien de 20 000 lieues sous les mers. Ce marin reclus dans les abysses est protégé par l'épaisse cuirasse de son Nautilus. Ça, c'est un mélangeur d'oxygène. Je l'ai fabriqué quand j'avais 12 ou 13 ans. À l'intérieur, il y a une petite boîte en métal pour respirer. L'oxygène se trouve ici, et pour l'envoyer, il suffit de faire cela. Inspiration, expiration. Voilà, tout se faisait à la main et ça marchait bien. Avec cet appareil, je pouvais rester 40 minutes sous l'eau, enfin de 30 à 40 minutes. Je voulais construire quelque chose de nouveau qui pouvait me permettre de rester en bas. C'est pour cela que j'ai écrit ici, même si j'étais très jeune, expérimental. Ce sigle ESM, en fait, ne veut rien dire. Machine, d'urgence, sous-marine, mais ça avait l'air tellement bien, tellement cool et si scientifique. Nous allons de découverte en découverte. Petit à petit, Phil nous explique sa manière de concevoir ses inventions. Il nous livre même quelques secrets de fabrication. Ne vous inquiétez pas, ça c'est du polycarbonate et ça ne cassera pas, c'est très solide. Alors je compte mettre une membrane ici, et cela va s'ouvrir et se fermer comme un parapluie. Lorsque vous nagez, vous faites cela vers le bas jusqu'ici, ça s'ouvre, puis quand vous remontez, cela se ferme, ouvert.
fermée, etc. Ça, c'est le produit auquel je réfléchis maintenant. C'est vraiment le tout premier essai, histoire de constater si cette idée va marcher. Ensuite, je fabriquerai le prochain modèle avec des matériaux plus doux, sans les vis et tout le reste. Avec ça, j'espère inventer une palme qui sera très large au coup de pied vers le bas et très étroite lorsque le pied remonte. Les ateliers de Phil Nuiten ont des airs de Capharnaüm. Ici et là sont entassés des centaines de souvenirs, des restes d'exploration ou encore quelques anciens trophées sous-marins. C'est un véritable musée qui s'ouvre, où les pièces de haute technologie côtoient la préhistoire de la plongée sous-marine. Voici l'Aquarius, un sous-marin pour trois personnes. Il a un hublot immense, le pilote s'assoit au fond et commande l'engin avec l'aide des deux caméras. On l'utilise beaucoup pour des travaux de surveillance, pour le département des pêches, les ponts, les quais, le passage des câbles sous-marins et de pipelines. C'est un sous-marin idéal parce qu'on peut transporter beaucoup d'équipements à l'intérieur et il peut rester sous l'eau de longues périodes. Tous ces sous-marins ont au moins 3 jours d'autonomie sous la mer. Alors en cas d'urgence, nous pouvons rester immergés pendant 3 jours, mais en général, on reste 6 ou 8 heures sous l'eau. Ce sous-marin-là s'appelle la loutre de mer. On l'a fabriqué ici en 1971. Il a fait tellement de plongées. Mais on avait toujours un problème avec la petitesse des hublots. Si vous vous écartez du hublot, alors votre champ visuel rétrécit. À l'époque, il fallait être très très près pour voir quelque chose. Des machines incroyables, il y en a partout. Il y en a dedans, mais il y en a aussi dehors. D'une pièce à l'autre, on découvre des bathyscaphes aux formes bizarres. Phil collectionne aussi de drôles de masques de plongée. C'est amusant parce que lorsque l'on entre ici, on voit des tas immenses de vieilleries inutiles. Il y en a qui disent que tout ce foutoir ressemble à l'intérieur de ma tête parce que toutes ces vieilles choses se mélangent avec les nouvelles. Je garde tout cela pour un musée parce que je crois que pour avancer dans la vie et connaître son chemin, il faut savoir d'où l'on vient. Lorsqu'il est enfant, Phil Nuiten apprend à nager dans les eaux profondes de Colombie-Britannique. À peine adolescent, il devient un chasseur sous-marin hors pair. Plus tard, le jeune Canadien tient une petite boutique de matériel de plongée à Vancouver. Il a 15 ans alors. Avec sa bande de copains, ils plongent dès qu'ils le peuvent pour aller débusquer des pieuvres géantes et autres monstres marins qu'ils revendent ensuite aux aquariums de la ville de Vancouver. Ils n'ont alors que de vieilles combinaisons de caoutchouc, leur équipement est sommaire, mais leur chasse est souvent miraculeuse. And with the flippers, you have to learn, it's just like learning to walk all over again. So that everything you've learned on land stands you to very little avail. Le combat du capitaine Nemo contre un calamar géant. C'est encore une histoire qui hante les pensées du jeune Phil. À l'époque, le garçon a une spécialité qui lui fait prendre des risques importants. Il compte parmi les meilleurs lorsqu'il s'agit de se mesurer en apnée prolongée à plus de 20 mètres de profondeur. Il est le meilleur jusqu'à ce jour, où en pleine compétition, il reste au fond
complètement inanimé. Il y a deux choses que j'ai apprises du fait d'être inconscient sous l'eau. La première, c'est qu'on entend souvent que votre vie défile devant vous alors que vous êtes en train de vous noyer. Et l'autre, c'est que c'est vraiment terrible de mourir noyé, parce qu'on étouffe, on s'étrangle. Ces deux choses, dans mon cas, étaient complètement fausses. J'ai retenu mon souffle le plus longtemps possible lors de cette compétition d'apnée en eau profonde. J'ai pensé qu'en relâchant du CO2, je pourrais rejoindre la surface. Mais dès que j'ai expiré, j'ai inspiré de l'eau dans mes poumons. La sensation, c'était un incroyable soulagement. De l'eau froide descendait dans ma poitrine. Avant, je brûlais à l'intérieur pour pouvoir respirer. Et là, je me suis senti très lourd alors que j'essayais de remonter le long du filin. Je me sentais si lourd avec toute cette eau et si peu d'air. Je palmais et palmais encore, mais je me voyais lentement glisser vers le bas. Ce jour-là, si Phil n'avait pas laissé l'eau de mer remplir ses poumons, il serait bel et bien mort. Mais cette expérience traumatisante n'a fait que renforcer son envie de défier les profondeurs. Et depuis, il n'a cessé de repousser les limites du corps humain. Grâce à ses inventions, il est devenu l'un des pionniers en matière de plongée dans des conditions extrêmes. Dans les années 80, il est, avec des équipes de scientifiques canadiens, le premier à tenter une descente sous les glaces de l'Arctique. Lorsque vous êtes assis au bord du trou fait dans la glace et que vous sentez l'eau au travers du nouvel équipement que vous avez fabriqué, la plus grande peur, c'est que cela ne marche pas. Alors, le fait de se mettre sous l'eau et d'essayer, de respirer, de nager et de voir que cela marche comme vous l'aviez prévu, la sensation de libération, voire d'euphorie, est complètement là. Ensuite seulement, vous constatez que l'eau est vraiment très froide, qu'elle s'insinue dans votre combinaison. Je pouvais sentir comme une petite rivière de chaleur sur mon bras. Et bien que je suis au chaud, et bien je sais qu'au dehors c'est glacial. C'est un peu comme si vous étiez dans un réfrigérateur et que le froid ne vous avait pas encore atteint, mais vous pouvez sentir que le froid est bien là. Mon plus beau souvenir de cette époque, c'est que c'était vraiment un endroit étrange, comme un autre monde. Tout n'est que glace et neige. Mais une fois dans l'eau, je ne me souviens que d'une chose. Ah, je suis si heureux que mon matériel fonctionne si bien. Affranchi des pesanteurs terrestres, le sombre capitaine Nemo cherchait la vérité et la liberté dans les profondeurs. Phil Newton lui puise son inspiration auprès d'un peuple lié corps et âme à l'océan. Il y a une trentaine d'années, Phil est adopté par l'une des nombreuses tribus indiennes de Colombie-Britannique. Hello, Pooch. Oh, hello. Les Indiens Kwakwala vivent ici depuis des milliers d'années grâce aux richesses incroyables des eaux du détroit de Johnson. Ils sont reconnus dans la région comme les meilleurs sculpteurs de totems et de masques rituels. Issus d'une famille métisse de l'intérieur des terres canadiennes, Phil renoue ici avec une longue tradition. De temps à autre, il aime revenir sur l'île aux cormorans.
une île isolée au beau milieu d'un bras de mer, au nord-est de l'île de Vancouver. Je suis venu ici quand j'étais très jeune pour chercher des informations sur le peuple Kwakwaka'wakw. Et à ma grande surprise, bien des années plus tard, je suis revenu ici pour plonger parce que cette île a des réserves très limitées en eau douce. En fait, l'eau est acheminée jusqu'ici de l'île de Vancouver grâce à un pipeline. Alors avec l'un des très bons plongeurs professionnels de cette île, un gars nommé Barry Minton, on avait l'habitude de surveiller ce pipeline une fois par an. Et je suis venu ici encore et encore, et c'était à chaque fois l'occasion de renouer des liens avec les enfants que j'avais connus quand j'étais petit. Quand mon frère l'a rencontré, il a été très impressionné par Phil. C'est de là... Je vous jure, je vais pas vous raconter tout ce qu'ils faisaient, mais bon. Ils étaient vraiment très bons amis. Et c'est mon frère qui a pensé à l'adopter. Il m'a téléphoné et on a organisé une grande cérémonie dans la maison des anciens. Je suis très fier, très heureux de l'avoir comme sœur. Lors de cette adoption, voilà ce que la famille dit. Nous prenons la responsabilité de cet homme. Cet homme nous appartient désormais, et nous prenons donc toutes les responsabilités pour ses actes, sa conduite, etc. Et ça, c'est un engagement très important pour cette famille. Ils ne font cela que s'ils pensent que c'est bénéfique pour leur communauté. C'est donc un rituel fondamental dans cette culture. Le capitaine Nemo prenait fait et cause pour un jeune Indien pêcheur de perles. Finn Luyten, quant à lui, se bat pour que les anciennes œuvres d'art confisquées aux Indiens, puis dispersées de par le monde, reviennent sur l'île aux cormorans. La culture de ce peuple est à la fois si simple et si complexe. Pour moi, c'est une véritable analogie avec toutes les missions sous-marines que nous faisons de par le monde. Souvent, quand je suis sous l'eau, je pense aux cérémonies traditionnelles des potlatches, leurs chants, les danses indiennes. C'est étonnant comme tout cela prend du sens dans un endroit comme celui-ci. Après ce voyage initiatique et une plongée au cœur de l'imaginaire de notre Nemo des temps modernes, nous rentrons à Vancouver. C'est ici, dans ses ateliers, que Phil met au point la plupart des engins consacrés aux travaux sous-marins. Son équipage d'ingénieurs est composé d'anciens plongeurs ou scaphandriers professionnels. Aujourd'hui, Phil est devenu un businessman redoutable. Jeff, son bras droit, en sait quelque chose. Le jeune pilote de sous-marin est l'un des rares à partager les prouesses techniques de ces machines, dignes d'un roman de science-fiction. Quand Phil nous présente un dessin, en général, ma réaction, c'est la peur. Je ne dis pas ça pour faire du mauvais esprit.
Je dis cela parce que je sais qu'il a pensé tel ou tel véhicule dans sa tête. Il l'a mis sur le papier. Il va donc nous donner la mission de le construire et je sais qu'il ne nous lâchera pas d'un pouce avant que sa nouvelle invention ne devienne réalité. On nous a toujours appris que l'une des choses qui distinguait l'homme de l'animal est cette opposition entre notre pouce et les autres doigts. Mais ce n'est pas vrai, car si c'était vrai et que seul ce mouvement était nécessaire, alors les homards ou les crabes dirigeraient le monde. En fait, ce qui est utile, ce n'est pas uniquement ce mouvement-là, mais aussi et surtout celui-là. Pour Phil, c'est donc l'observation et surtout l'instinct qui prime. Regardez, quand je serre ici, je peux ressentir la texture et la forme exactement comme si je le faisais avec mes propres doigts. Tout ce que je fais avec ma main est relié ici avec de petites tiges d'acier. Après avoir frôlé la mort sous l'eau, après avoir vu disparaître ses compagnons de plongée lors d'accidents de décompression, l'ancien scaphandrier n'a de cesse d'inventer d'étranges véhicules subaquatiques. Pour aller toujours plus loin et toujours plus profond sans cette angoisse de l'accident, Phil invente des combinaisons futuristes, des robots téléguidés, de véritables vaisseaux des mers, autant d'outils pour la recherche scientifique, les travaux sous-marins, ou encore la découverte de cet univers passionnant que sont les entrailles de l'océan. Lorsque je relis le temps passé à bord du Nautilus, tous ces événements heureux ou malheureux depuis ma disparition de l'Abraham Lincoln, le sous-marin en chasse, les papous et les sauvages, le cimetière de corail, le tunnel de Suez, les îles Santorin, la baie de Vigo, l'Atlantis, le banc de glace, le pôle sud, l'emprisonnement dans les glaces, la bataille contre la pieuvre, les tempêtes du Gulf Stream et l'horrible scène de ce bateau coulé avec son équipage. Tous ces événements passent au travers de ma tête comme le décor d'un théâtre et le capitaine Nemo apparaît disproportionné. Il n'était plus comme moi un homme, mais un génie de la mer. Nemo parcourait sans relâche le monde invisible des mers. L'insatiable Phil compte lui aussi, grâce à ses inventions géniales, laisser son nom gravé dans les pages de l'histoire des abysses. Ce matin, Phil et son équipage de plongeurs quittent Vancouver, en direction des montagnes du Nord. Cette fois, l'expédition sera courte. Avec le mauvais temps, ils n'auront que 2 jours pour tester les capacités d'un nouveau sous-marin de poche, le Deep Worker. Ce qui est intéressant dans cet endroit, c'est de voir que les abysses de l'océan Pacifique sont si proches de Vancouver. À l'instant précis, il y a 300 mètres de profondeur, alors que nous ne sommes pas très éloignés du rivage. Toutes ces îles qui sortent de la mer comme des montagnes, j'ai vécu ici toute ma vie, et je ne me lasse pas de regarder tout cela. C'est fascinant de trouver des endroits où la civilisation et le monde sauvage sont si rapprochés. C'est magnifique. Le capitaine Nemo commandait le Nautilus. Phil, lui, se contente d'un minuscule sous-marin, qu'il a surnommé le Travailleur des Profondeurs. C'est le dernier né de sa flotte sous-marine, et c'est encore une fois une avancée incroyable pour le monde de la plongée et la découverte des abysses océaniques.
Aquarius d'un côté et le Deep Worker de l'autre, unique en son genre. Phil orchestre la manœuvre tel un pilote de chasse avant des exercices en vol. Ses opérations en mer sont très délicates. Aux commandes du Deep Worker, une fois sous l'eau, c'est Rob qui va mener la danse. Phil sera à quelques mètres de lui quand il commencera ses manœuvres. C'est vrai que quelquefois, ça devient un peu effrayant, mais il suffit de mettre un peu d'ordre dans son esprit pour se rendre compte qu'une fois en bas, il n'y a rien qui pourrait vous faire du mal. On ne peut pas être claustrophobe, car vous pouvez constater qu'il n'y a pas beaucoup de place là-dedans. Le plus étonnant, c'est qu'une fois fermé, une fois que vous êtes assis, depuis 15 à 20 minutes, alors vous vous sentez rétrécir, alors que l'espace, lui, s'agrandit. Ouais, c'est vraiment la chose la plus étonnante. Je ne peux pas expliquer comment et pourquoi cela se produit, mais d'un seul coup, tout devient assez grand là-dedans. Nous arrivons de Seychelles, c'est un passage étroit, un genre de fjord. Et maintenant, nous arrivons dans cette petite baie. Là où il y a la flèche rouge, se trouve une épave qu'on appelle la chaudière. C'est une épave superbe. Nous allons mouiller par ici parce que cette épave représente une plateforme idéale pour stationner nos sous-marins avant les tests. Et le fait de nous trouver juste au-dessus des fonds nous évite de soulever la vase. Du coup, nous pouvons obtenir des photographies parfaites de ces essais. Topside AQ, roger that. Le gros va essayer de passer. Il y a quelque chose d'incroyablement gratifiant lorsque l'eau vous recouvre la tête. Vous fermez les yeux, vous regardez autour et là vous vous dites « Hé, ça marche, je suis vivant ». À ce moment-là, vous avez le sentiment d'avoir construit de vos mains un engin qui vous permet d'aller sous l'eau. C'est un test immédiat, sans appel. Il n'y a pas de théorie pour cela. Une fois que vous êtes en dessous, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Installés dans l'Aquarius, Phil et Jeff partent à la rencontre du Deep Worker. Ils commencent leur lente descente à la recherche d'un bâtiment militaire datant de la Seconde Guerre mondiale. Et si l'Aquarius négatif, je n'ai pas encore l'épave en vue pour l'instant. Terminé. Ça y est, on a l'épave droit devant nous. Le navire est couché sur son flanc. On distingue à peine ses canons et sa cheminée. Quand soudain, deux petites lueurs apparaissent derrière la coque rouillée. HP02-2400 LP08. Un sous-marin qui vole, c'est si beau. Ok, je te reçois. Je reste en alerte. Tu peux commencer les essais de manipulation.
Regardez, quand je suis allongé dans ce sous-marin, je n'ai rien sur le visage, rien dans la bouche. C'est comme si j'étais à la surface. Alors dans ces moments, le rêve d'une ville subaquatique, c'est-à-dire un lieu où on pourrait vivre et travailler, ce rêve devient réel. Cela relève bien sûr de la science-fiction, mais ici, au fond de la mer, dans ce sous-marin, avec le Deep Walker à l'extérieur, qui stationne sur le pont d'une épave, soudainement, il ne me semble plus que cela soit un si grand rêve, une si grande étape à franchir. Peut-être que cela arrivera bien plus tôt qu'on ne le pense. Vivre sous la mer comme sur terre. Voici le grand rêve de Phil. Les cinéastes font d'ailleurs souvent appel à lui pour dessiner et concevoir les costumes ou les machines infernales de leurs aventures sous-marines. Ses rêves de gamin prennent alors vie, comme dans le film Abyss, une super-production de James Cameron. Je me demande souvent qu'aurait pensé le capitaine Nemo de tout cela. Mais plus important encore, qu'aurait donné Jules Verne pour être dans la position où je me trouve actuellement? Être là, au fond de l'océan, et regarder à travers cette grande bulle, c'est tout de même un décor qu'il a vu uniquement dans son imagination. Alors voir ces choses qu'il a vues dans son esprit, les voir pour de vrai, j'imagine qu'il aurait donné n'importe quoi pour voir ça. Avec toutes ses inventions, Phil a fait fortune sur le marché des engins sous-marins. Le petit Deep Walker intéresse de plus en plus certains milliardaires en mal de sensation, qui veulent faire de la plongée sous-marine, en eau profonde, un nouveau loisir. En attendant que des villes tout entières surgissent dans l'obscurité des océans, il est grand temps que Phil rentre à Vancouver afin de poursuivre ses recherches interminables. Dans les bassins du centre d'essais maritimes de la ville, il tente de mettre au point depuis près de 10 ans un scaphandre révolutionnaire. Une combinaison capable de transporter un homme à plus de 300 mètres sous la mer dans un confort presque parfait. Après la conquête de l'espace, la guerre des profondeurs. Phil travaille sans relâche parce qu'il sait qu'un jour, les fonds marins deviendront un enjeu économique colossal. Et ce jour-là, il compte bien être en première ligne. Il y a toujours des situations où on a l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous.
Mais si vous arrivez, ne serait-ce qu'une seule fois, à faire marcher votre invention, alors le système fonctionnera. Ce matin, on a vu une nage parfaite, alors c'était bon. Avec une seule nage réussie, on sait que cela pourra se faire une nouvelle fois. On dit que c'est un peu comme des canards qui vous pincent les doigts. C'est très difficile de faire mal à quelqu'un de cette manière, mais petit à petit, ils finissent par vous manger tout entier. Le scaphandre ultra-moderne n'est pas encore sur le marché. Et déjà, il attire toutes les attentions, et notamment celle des militaires. Cette nouvelle combinaison va tout changer pour les plongeurs militaires. Ils ne seront plus esclaves de la pression, de la décompression. Ils pourront rester sous l'eau pendant de très longues périodes. Par exemple, ils pourront quitter un sous-marin nucléaire, se rendre discrètement jusqu'au rivage avec un petit moyen de propulsion. Il y a quelques années de cela, nous avons rencontré pas mal de mercenaires, des soldats de fortune. Je leur ai demandé « Pourquoi est-ce que vous portez autant d'intérêt à posséder cette combinaison pour une ou deux personnes et pourquoi pas pour tout un régiment ?» Mais ils m'ont répondu « Il suffit d'avoir une ou deux personnes bien équipées au cœur de la bataille et c'est gagné. » En attendant de futurs conflits sous-marins, la nuit tombe sur Vancouver. Et lorsque les affaires se font trop pressantes, Phil a parfois besoin de retrouver son univers imaginaire. Quand il n'est pas sous la mer, il s'échappe dans un petit atelier secret situé juste à côté de sa maison. Lorsqu'il a été adopté par les Indiens de l'île aux Cormorans, les chefs du clan lui ont donné un droit, un genre d'héritage dont il doit prendre le plus grand soin. C'est à lui que revient la charge de sculpter des totems, des masques ou encore des bijoux pour les cérémonies traditionnelles. Ils lui ont même donné le nom d'un grand poisson en guise de totem, le Red Snapper. Dans la tradition des Indiens Quakult, on pense que c'est le roi du monde sous-marin. La raison, c'est que la couleur de ce poisson sous l'eau est comme le cuivre. Et tout le poisson sera recouvert de cuivre de cette couleur-là. Chez les Quakult, la personne qui possède le plus de cuivre, comme par exemple ces plaques rituelles, est considéré comme l'homme le plus riche du village. Alors par extrapolation, ils disent qu'un poisson recouvert de cuivre doit être le roi du monde sous-marin. Et figurez-vous que mon nom traditionnel est Klaxom, ce qui signifie « Red Snapper ». So that's how that will look. Pretty good? Yeah, turned out pretty good. Yeah. I have to turn this head a bit, though. So a lot of painting left to do, but... Yeah, quite a bit. Okay, that goes on here. Mm-hmm. And see, in the wing, I've just started the painting. We have a... It's a strange thing, but you would think that this native art... On peut penser que cet art primitif, cette discipline très rigide qui remonte à des milliers d'années, est très différente des technologies sous-marines dernier cri. Mais pour moi, ces deux choses se rejoignent complètement, parce que lorsque je sculpte, je me surprends à rêver à des créatures sous-marines. Je dessine alors un poisson, un aigle marin, et je pense à eux sous l'eau. Et puis parfois, lorsque je suis dans mes sous-marins et que j'attends par exemple qu'on veuille bien bouger la grue avant de descendre, eh bien je pense à la danse, je pense à mes masques ou je ne sais quoi encore. Il y a longtemps, les Indiens croyaient qu'un monde subaquatique existait, un monde semblable à notre monde en surface. Ils pensaient aussi que chaque animal et chaque être humain possédait un double sous l'eau. Ils croyaient aussi que les fonds des mers étaient la demeure des noyés. Et par exemple, lorsque l'un d'eux se noyait, ils pensaient qu'il allait vivre une nouvelle vie sous l'eau.
De temps en temps, c'est vrai qu'il est si pris par les choses qu'il fait, il ne se rend plus compte de ce qui se passe autour de lui. Mais c'est peut-être là tout le secret de sa réussite. Moi, je m'occupe des choses du quotidien pour le laisser non seulement rêver, mais aussi explorer et faire aboutir ses projets. On peut dire effectivement qu'il ne vit pas tout à fait sur notre planète. À défaut de vivre sous l'eau, Phil et Mary, sa femme, s'envolent vers une petite île boisée située à 20 minutes de leur maison de Vancouver. C'est leur refuge familial, loin des bruits de l'atelier et des grands projets sous-marins. À l'image de Nemo, le commandant du Nautilus, notre inventeur s'est trouvé une île mystérieuse, un endroit retiré du monde. Quand je relis ce livre et toutes les aventures étranges du Nautilus, du personnage Conseil, du Canadien Ned et bien sûr de Nemo et de son équipage, je ne peux m'empêcher de penser à ma propre aventure autour du monde, à toutes ces plongées un peu partout, de l'Arctique canadien sous les glaces jusqu'au golfe du Mexique, de la côte pacifique d'Amérique du Nord aux côtes de l'Atlantique, de la France et de la Méditerranée, des plongées aux Fidji, à Tahiti, en Australie. Les gens me demandent souvent, mais quel est votre endroit préféré? Bien là, je dois admettre que mon lieu préféré a toujours été ici, en Colombie-Britannique, sur cette île de Galliano, qui est pour moi le plus bel endroit du monde. Tout au long de ce voyage dans l'imaginaire de Phil Nuiten, en relisant avec lui toutes ses aventures sous-marines, en plongeant à bord de ses engins du futur, nous avons acquis une certitude. L'esprit du capitaine Nemo est bel et bien vivant. Il navigue quelque part, au large des côtes de Colombie-Britannique.